Alors, salut, bonjour, bonjour, bonjour tout le monde, bonjour amis Bamio, côté nous est là. Moi, des congrès toujours, nous changeons de position par rapport à une machine, mon cap vend bonbons, sandwich. Mais on va y nous là-bas ici, à la revue dans toute machine, on bloque toute visibilité que nous amenons. Malheureusement, on bloque les. Ou de les cadets, ou nous bien, ou de les gens. Chaco Michel, est-ce que vous entendez nous bien? Christian Jean et ici, est-ce que vous entendez nous? Eh bien, debout entendez nous, nous avons dérapé. Gédéon, vous entendez nous? 10 ou 10? Ok, papa. Nous parlons, Christian. Eh bien, nous dérapé. Je dis à ce vendredi, c'est week-end. Week-end a commencé, nous avons commencé en pile pour nous. Donc, pas poser de questions, on va pas répondre à une question. Et son bon image là-bas. Ok, d'accord. Donc, alors, je dis à pas tellement de soleil, non, Washington, et un petit vent qui a soufflé là, alors, il n'y a pas de un cyclone ou bien encore une tempête tropicale. Donc, nous, quand on doit sentir faire à bord ici. Et puis, ça nous répond aujourd'hui à là, et puis, après ce temps, nous-mêmes, dans Washington, nous avons souffert, je ne sais pas, mais nous en attente. Même j'en pile l'autre plusieurs millions d'employés fédéraux américains qui en attendent tout. Parce que donc, on décision qui vous prend DM dans là. DM dans là, c'est côté Congrès. Congrès pour le décider jeudi à là. En fait, jusqu'à demain, jusqu'à samedi 30 septembre, si oui ou non, il y a financé fonctionnement gouvernement. Donc, c'est un petit groupe républicain, député républicain, qui campé son position. Et pour rien de demande, ils ont demandé pour voter budget. C'est-à-dire, parmi les demandes que vous faites, vous demandez par exemple, il faut que vous retirez les corps que vous avez bail et a financé pour la guerre en Ukraine. Donc, vous demandez, il faut que vous pas dans le budget. Et puis, tout, il faut que vous financez et mettez l'argent disponible pour. Et pour sécurité frontalière là. Donc, je dis, si pas gain, alors il y a deux propositions de loi qui sont disponibles. Il y a une que le Sénat a préparée qui est là-dedans, comme l'Ukraine, qui peut se passer 6 milliards de dollars. Et puis, il y a un. Ouais. Et puis, il y a un autre qui n'a pas gain comme l'Ukraine là-dedans, mais qui a une frontière là-dedans. Donc, on ne sait pas qui est ce qui est bon. Mais quand même, un groupe de députés qui ont même couché en quoi. Si vous n'avez pas ça remonte, eh bien, vous n'avez pas voté. Voilà. Donc, ça veut dire que nous avons pratiquement gouvernement à fonctionner jusqu'à demain. Et vous avez l'argent jusqu'à demain pour employer. Mais après samedi 30, pas avez l'argent si par une décision qui si le Congrès va prendre une décision pour justement permettre le budget à voter. Et puis, pour capable. Alors, on dit que le Sénat, lui-même, proposition Sénat, il prévoit et fonctionnement du gouvernement jusqu'au 17 novembre 2023. Et en attendant que peut-être vous avez une solution pour voter tout le budget, pour voter tout le budget. Alors l'autre groupe, il y a une défense, un seul coup, on fait tout voter le budget à nous finir. Donc c'est la nuit. Alors, mais juste ça, si le budget va passer, il affecte plus fort l'agence fédérale du gouvernement américain. Je dis plus fort, il n'est pas affecté, alors là, je dis pas affecté. Agence, ça, il y a une agence qui est obligée de venir travailler, quel que soit le résultat. Avec, par exemple, la police, et le département de sécurité intérieure, et donc pour faire voyage. Et bon, le monde qui m'a dit qu'il est fini de venir là, je ne connais pas, mais nous étions de la voix de l'Amérique, je m'a tout référé sur ça, la voix de l'Amérique qui a gagné. Et il a dit que tu as mis à l'aéroport ensemble avec une dizaine d'autres. Et monde que les États-Unis ont déporté, eh bien, en août, il a semblé qu'ils ont dit que oh, tout le monde est autorisé pour entrer en Haïti, excepté eux-mêmes. Donc, le gouvernement haïtien semblait pas autorisé, il n'est pas autorisé pour que Philippe Théroux entre en Haïti, et cela depuis avant-hier. Donc, il y a des fois un gros tollé avec lui. Nous avons fait une position, que ce soit l'avocat de Philippe, nous avons fait des versions de Philippe tout ce cause. Nous avons fait des versions au respect légal aux États-Unis même, qui parlaient sous question. Et, mais malheureusement, le gouvernement haïtien n'a pas, en fait,
pas ou pourquoi réagir sous question et pas dit en plus tout que tu es au courant ou bien est-ce que pas au courant, est-ce que c'est une solution légale, nous ne connaissons pas. Voilà. Donc, alors moi-même, maintenant, je suis un budget, donc le budget n'a pas de problème. Donc, mais même si il y a un problème, et la voie de l'Amérique a travaillé parce qu'il nous fait partie de ça, les personnels essentiels, qui c'est obligatoire, quelles soient les circonstances, ou pas capable de venir travailler. Voilà. Donc, il y a peu de gens, comme les médecins, la police, et les gardes frontaliers, et les gardes côtes, tout le monde est obligé de venir travailler, mais à l'exception près, l'autre monde, l'autre plus fort emploi fédéral, pas capable de venir travailler. Par exemple, on a DM dans là, dans le congrès. Réveil dans le congrès à chaîne. Donc, chaque matin, monsieur vini, monsieur bay réveil à la chaîne pour réveiller la côte de ma chaîne. Nous sommes réveillés ça longtemps. Si nous songeons, alors pour nous-mêmes qui grands, nous avons songé que l'on réveil, c'est pour la chaîne le matin. Et puis pour marcher pendant 24 heures, et puis demain, on va marcher encore. Souvent, la chaîne ne va pas marcher encore. Mais le congrès, c'est comme ça qu'on réveille, c'est la chaîne qui va aller. Donc, monsieur, ça a capté le congrès, qui a capté la chaîne. Et bien, lui-même, il n'a pas de travail. Donc, ça veut dire que le réveil congrès n'a pas de pendant tout le temps que le fermeture gouvernement a duré. Personne, tout le monde souhaitait qu'ils ne soient pas capables de faire ça. Alors, puis long, non? Il était duré 34 jours et c'était en 2018 éventuellement. C'était sous administration ancien président Donald Trump que était fait et là ça nous constate fait. Donc ça a duré 34 jours. Après ça a toujours gagné. Il a duré 2 jours, il a duré 3 jours, il a duré une semaine. Mais puis long, c'était 34 jours. Donc imaginez un employé fédéral qui a 34 jours pour ne pas toucher une goutte. L'autre point qui danse, c'est de dominer l'actualité à toujours, c'est les soldats américains rappelent que quitter Alpin refuge, donc avoir quitté désert et Sindakaï comme ça dans la Corée du Nord. Et bien, monsieur est retourné aux États-Unis, il a mis l'autorité américaine au Kounia. Donc, monsieur actuellement dans San Antonio, Texas, il y a un centre de réhabilitation, son centre côté, et soldats américains qui soient étaient en otage ou bien encore étaient prisonniers de guerre. Ou bien on côté en isolement, son côté on mené là pour un traitement, en attendant de décider ça, en attendant, et pour suivre que tout va normal. Mais jusqu'à présent, après déclaration tout qui est fait, monsieur en bonne condition, monsieur en forme, monsieur a souri, monsieur a baillé blague, donc je dis que apparemment monsieur est là. Mais il faut que observe quand même. Et après, il va décider qui ça a fait avec lui, est-ce qu'il a quitté dans l'armée, est-ce qu'il a voulu l'aller, et nous ne connaissons pas. Eh bien. Et nous parler sous frontière, bon, en tout cas, et l'OEA a demandé pour que Haïti avec... En fait, il présente lui-même comme une sorte de facilitateur dans le dossier ou bien dans le conflit qui est entre Haïti avec la République dominicaine, soit fait via massacre là. Eh bien, bon, et la République dominicaine pose des conditions par l'idée l'OEA, l'IPAP-CHITA négocie à Haïti, tout autant que le travail qu'a fait sous construction canal là, pas fermé, pas campé. Et puis, il dit que, mais, il faut le venir avec un série de dossiers que Haïti de Bali, sous études qui fait sur l'affaire Rivière Massacre là, sous études de fait, études d'environnement, études de tout bagage que vous avez pour venir montrer que le canal là pas représente un danger pour vous-même ou bien encore pour la communauté, etc. Donc, il dit, le faut venir avec document ça, mais il dit tout autant que ça n'a pas fait, eh bien, nous-mêmes, nous n'avons pas venir citer avec Haïti. En plus, le monde, ça dépend de qui nous parler. Commentaire aller dans n'importe sens. Et pendant ce temps, Dominicani a annoncé que il recommençait à construire un autre canal, de sa vision, un deuxième canal qui sous territoire. Mais il y a des gens qui disent que Haïti a de l'eau qui prend naissance la Cali, tout cas la République dominicaine, pour que ça Haïti pas camper de pas là, mais fait canal là pour là aussi, jardin la Cali, de sorte qu'elle soit capable de dépendre de l'agriculture de la République dominicaine. Donc, ce dossier, mais en principe, le gouvernement, jusqu'à présent, n'est pas fin clair sur qui ça l'a dit, qui ça l'a dit, qui répond à bail. Mais il y a qui dit que je pensais que le gouvernement haïtien doit être beaucoup plus ferme et beaucoup plus prêt pour les bas réponses. Donc, par exemple, opportunité, c'est pas Haïti, non, qu'elle devant l'OEA pour te demander et pour te demander dossier. C'est l'OEA qui propose cette tête, mais je crois que Haïti a dû même aller devant une instance internationale pour te mettre dossier, pour te présenter dossier, justement pour te voir qui en a parlé. Donc, c'est un dossier qui est encore qui l'ouvre et qui, pendant quelques jours, a continué à faire parler de lui. Pendant ce temps, Haïti, Haïtien, continue à porter bourreau, continue à porter assistance au bail et communauté à Nawanamé,
qui a construit le barrage là, actuellement, il y a assistance ingénieur qui vient là pour assurer que bah, fait bien que vous faites là parce que bah, vous faites là puis pour bah, la mal marcher. Donc, il y a assistant, donc l'agent, etc. Il y a un comité qui est là pour recevoir l'agent et matériel justement pour aider le canal. Fait. Mais le canal a continué et voir font seul et tout le monde dit que le canal n'a pas de campé, construction canal n'a pas de campé, il doit continuer. Et comme Denis n'est pas rentré en Haïti pour venir camper construction canal là, eh bien bon, et voilà. Et puis, il y a une sénatrice, Baba Fastine, c'est ça, qui mourit. Donc, nous avons parlé de sénatrice qui était âgé et qui était pendant le jour qui passait, qui n'a pas presque venu dans le Congrès encore. Bon, il est mort. Donc, nous avons senti la lumière varie pour le présenter nous. Et sénatrice qui était toujours fait parler de lui en pile dans le Congrès, nous avons bien pour parler de nous. Et puis, nous avons tout. Président Trump non problème président Trump continue à prendre S et en plus de ça demander pour le pas faire aucun business dans l'État de New York et bien gon procès qu'a préparé pour lui là m'a gagné Valérie Saint qui cap gagné pour parler nous de ça et puis des manifestations tout dans Amérique latine nan, pour et même en Haïti tout soit fait et doit mesdames gagné pour et faire avortement ou bien encore pour prendre décision avec propre corps ça voulait et bien nous va gagner Renan qui va parler nous de ça et puis Nations Unies publié un rapport où il parlait de quantité de monde qui mourit dans le jour qui passe en Haïti ou bien dans le mois qui passe. Et nous avons Renan qui va parler nous de la situation ça à tout. Et puis nous connaissons, d'après les chiffres qui sont disponibles, il dit que y a près de 60 000 Haïtiens qui retournent en Haïti volontairement sur la République dominicaine depuis les déblos à la TPT ou bien depuis l'heure que l'autorité dominicaine ont décidé de faire une frontière là. Il y a près de 60 000 Haïtiens qui retournent. Alors, question, si la frontière est ouverte, est-ce que 60 000 Haïtiens ont retourné encore en République dominicaine? Nous ne savons pas. Et donc, c'est un dossier que nous avons fait pour tout. Parce que le monde retourne pour éviter les représailles, etc. Donc, si la situation est améliorée, ou bien parce que le président dominicain, Luis Abinader, lui dit que l'Elfine construit, ou bien l'Elfine construit un nouveau barrage que la FEA, et bien là, sa frontière va l'ouvrir. Mais il n'est pas pour l'ouvrir encore de la même façon que le était avant. Donc, il y a un grand prix de changement, un grand prix d'obligation, etc. Mais nous avons pour la frontière fermée tout port, que ce soit. C'est pas frontalière terrestre ou bien encore maritime ou aérien, hein, mais tout fermé qu'on y a là pour Haïti. Pour Dominique fermé contre Haïtien pour pas Calvin. Et puis nous gagnons grève autobus, grève et travailleurs automobiles américains dans Michigan à faire, mais grève là, il semble qu'il est pourquoi camper. La paix continue malgré dans le moment où on entend qu'il y a entre grévistes, donc syndicats, avec les compagnies automobiles américaines, trois compagnies automobiles américaines. Et puis, le gouvernement haïtien a annoncé tout lui-même, là, et alors le ministère du commerce et de l'industrie, et ensemble avec la chambre de commerce, ils vont réunir avec les importateurs et tout pour être capables de jouer nos mesures, pour jouer nos. On peut prendre une décision, on peut connaître qui j'en fais pour pallier ou bien encore pour combler vide que l'absence de produits dominicains sur le marché national là, pas façon à faire face à elle. Donc, c'est un gros problème qui est posé. En attendant, prix produit pour une nécessité, surtout que Haïti est habitué à acheter en République dominicaine ou de l'autre côté, eh bien, il a tout augmenté. Et ils ont commencé à rater. Mais ils ont demandé à ce que Haïti cherche un autre marché, tout comme tout le République dominicaine pour mettre tout lui-même, l'a acheté dans mes commerçants, ou bien fermé, l'a passé pour du dans mes et puis distribué par la population. Et puis chercher l'autre marché tout pour fermier dominicain. Alors, il y a une pile de questions qui ont posé sur la question ça. Et sur la question du commerce entre Haïti et République dominicaine, parce que vous prétendez que les produits dominicains tapent en Haïti, ils ne peuvent pas consommer la caillou. Ces produits, d'abord, ils ont exporté, ils ont importé plus de produits, et puis, surplus, ils vont en Haïti.
Donc c'est ça que l'expert est censé parler dans le domaine. Puis je dis à moi, nous, et Jacqueline Lacadie. Jacqueline, je dis à vendredi, donc c'est joue pas, monsieur, c'est joue que c'est plus bon joue que dans la semaine pour Jacqueline. Il laisse à monsieur, il était la Kali. Et quand il y a une dame, monsieur, vous avez quelques photos pour la monsieur, quand il y a une autre occupation, quand il y a, c'est un jardin, quand il y a, c'est un gros jardin maïs dans la cour de la Kali. Donc monsieur, commencez à manger maïs. Quand il y a un moment, dit monsieur là pour vous connaître quelques maïs pour nous. Donc monsieur, il y a maïs, il y a tomates. Belle baille, net, belle baille. L'MCV a voulu ça pour nous. Je dis à tous, c'est fête Serge François Michel. Serge François Michel, il dit nous, moi-même, je connais. Serge Michel dit nous, bon, je ne vais pas parler. Je dis à fête, à nous tous, mettez-moi ensemble pour nous dire Serge François Michel et collaborateur nous, pour nous dire bonne fête, bien célébré. Donc, je dis à soit de radio, pas de Serge François Michel et soit de télévision après-midi, pas de tout, parce que monsieur prend joie pour le capable. Bien profiter de joie, reposer lui. Et puis, bon, son long week-end pour monsieur, monsieur qui est 3 jours là pour le bail, donc c'était certainement monsieur avec tout un lundi. Donc, je dis, cher François Michel, bonne fête et célébrer, couper gâteau. Si, même si nous ne pouvons pas jouer la danse, ça va faire rien, mais la manger pas maintenant, moi, je suis bien content. Et on peut-être nous l'autre jour, nous avons une chance pour nous célébrer. Peut-être là, monsieur, il a 80 l'année. D'accord, on a non, mais les 80 l'année, les ça, nous avons réuni avec lui dans un côté et puis nous célébrer avec nos camarades, nos collègues, nous, Serge François Michel et puis gentil en cala, oh, chef service à la tour, Sandra Lemay avec nous toujours d'hier et puis Fred Kaimit sur nous jersey, donc monsieur qui 3 jours là la frappe avec nous là, très probablement sur une prochaine monsieur là toujours, donc nous bien contents chaque fois que nous avons un monde qui vient. Vin sur loin qui ont ça qui viennent avec nous, nous toujours bien contents. Qui s'en compte pour nous dire, c'est seulement pour nous remercier pour nous passer un très bon week-end. Ah, bah quand est-ce que monsieur dépasse Almanac, non, je dis ça. Mais je connais bien longtemps depuis que monsieur a dit que c'est 21 ans. Donc, je ne sais pas s'il dépasse Almanac, mais je connais longtemps. Depuis que j'ai été caporal, c'est François Michel a dit nous, c'est 21 ans le gain. Et chaque année, il toujours dit nous même bagarre là, donc là, je n'ai pas à me changer. Mais si, à faire, Alman a parlé à papa, je vais avec vous, ou à dégager, là, ou à chercher Jean-Michel, ou à dire, pour débattre sur le bas, ou à garder lui, et ou à connaître s'il n'a Alman a toujours, ou bien s'il dépasse Alman a, ou s'il dépasse Alman a, combien de temps il dépasse Alman a, est-ce qu'il double, ou est-ce qu'il va doubler? Ah ouais? Eh bien. Passez un bon week-end, non, mes amis. En tout cas, c'est jeudi à Freddy a commencé pour nous. Et c'est bon Freddy qui est là, parce que nous, toujours, et en septembre, octobre, donc, pourquoi qu'il y a Freddy bon, ici? C'est un bon mauvais temps, tout simplement. Le soleil n'a pas levé. Et ça, c'est mon nous capable mais pour les gens qui pas gain bail, et pour les gens qui pas habitué avec Freddy, on capable dire, oh, il y a Freddy bon, ici. Mais non, pas Freddy. Et puis, et ça me dit, nous, là. Ah, bien bon. Voilà. Bon week-end, ce jeudi, c'est vendredi, c'est week-end. Et le week-end avait dit que ou pas qu'à conduire, sous consommer alcool. Et sous consommer alcool, ou pas qu'à conduire. Et sous les conduire, ou pas qu'à consommer alcool. Et puis ou pas doué, ou pas d'a doué chita nos machines avec un chauffeur qui finit de consommer alcool et qui a conduit mon besoin et n'a pas rencontré avant encore pita. Et pour nous lundi encore, après week-end, on finit pour passer un bon week-end ensemble avec la famille. Oui, pour que Philippe, moi, pas nous n'avons pas rien de nouveau, excepté que ça, que nous avons sous le dossier de Philippe. Là. Nous n'avons pas attendu rien. Et le département, et, en fait, le service immigration parle de faire commentaire sous décision pour. Pas de faire commentaire sur le dossier de Philippe. Là. Et on va faire commentaire. Non, ça nous connaît que d'après ça, il dit que il t'a pris avec ensemble à une dizaine d'autres immigrants qui t'a déporté en Haïti. Et dans route, il t'a semblé que un responsable t'a fait connait que eh bien autorité armée haïtienne autorisé l'autre monde entrer excepté eux-mêmes. Donc n'a pas su dossier pour nous. Nous avons cherché une réaction du gouvernement haïtien
qui est très difficile pour le gouvernement haïtien réagir, même les gens qui concernent eux, ou pour réagir, pour eux donner des bagailles. Ils ignorent, ils ne sont pas bons. Donc nous-mêmes, nous dépendons de eux et nous ne pouvons pas rien. C'est ça que nous ne connaissons pas, mais ça que nous connaissons nous-mêmes. Sous le dossier Griffith Black, même Jean Avor, nous avons observé le tout et pour nous connaître exactement qui est ça. Passez bon week-end. N'a pas plus tard parce que j'ai pas la semaine qui a présenté le journal radio sur télévision avant-midi. Donc, n'a pas encore. Mais, bye bye.